Bon, j'ai 100 objectifs à compléter dans Breath of the Wild. Et pour plus de difficultés, le jeu entier est aléatoire. Les événements, les coffres, les korogu, le drop des monstres, les rochers et les objectifs eux-mêmes, bref, c'est le chaos total. Si vous voulez la liste complète des 100 objectifs, elle se trouve direct en description. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater le contenu Tears of the Kingdom pour bientôt, et on est parti. Donc, j'achète tout le stock. Et B, t'es sûr qu'il t'en faut 100? Bon, vous êtes prêts là maintenant? Va falloir tous les noter, hein. Si je clique sur retour au mode, je fais ça ou... Non, peut-être pas, je pense pas. Ça part? Ouais! Oh là 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 là! Le bâton random. Il détient le pouvoir d'invoquer le randomizer et qui plus afin d'interagir avec le randomizer. Si le randomizer, vérifie les objectifs. Non! Putain, j'aurais pas dû faire ça! Le jeu détecte tout seul si jamais il y a un truc qui est détecté ou pas. Complété? Oh ouais, on l'a déjà complété, let's go! On est trop fort, on a déjà trouvé le sanctuaire de la Renaissance, mais comment on a fait, quoi? Putain... C'est bon? Chose du vent. Ok, pas mal. Oui, donc du coup, on joue Zelda, ce qui fait que on va avoir des... Genre là, par exemple, c'est l'armure Zora, mais donc du coup, tout a été refait pour que ça fit Zelda, en fait. Vous avez vu, là, du coup, ça a rien à voir, là. Wouah ! Hyrule et Bresson ! Le cycle du randomizer a commencé. Wouah ! Ok ! Mec, il fait nuit, là, comme ça, là ? Il va se passer trop de trucs toutes les deux secondes, hein. Wow! Belle branche. Déjà, écoutez, on va commencer... jure là! Oh non, c'est trop grotesque. En effet, j'ai mis... Bon, ça, c'est pas de base hein, dans le randomizer, je préfère préciser. Mais j'ai en effet mis les tools de Minecraft. Chose du vent a été retirée de l'inventaire. What? J'ai plus de pieds. Les gars, ne prenez pas de photos. Ne prenez surtout pas de photos. Les chaussures furtives, c'est pas un goal? Ah, si. Attendez, c'est ce que je viens d'avoir? Nice. Ça avance. Chose furtive a été retirée de l'inventaire. Putain, mais ils l'ont encore foutu à poil. Laissez-la tranquille. Est-ce que les... Attends, putain. Les entrées des sanctuaires nous emmenaient à d'autres endroits. Mais c'est pas random, ça, si? Cryonis. Wow. That's not the right one. Mais attends, mais ça veut dire que là, je peux pas compléter le truc, là? Oh, ouais. Galère. Je sors. J'ai compris. Je ne peux pas aller le faire. Oh, lance archéonique. Belle bite. What? Attends, pourquoi il y a de la lumière là-bas? Vous voyez comme moi, là? What? Quoi? Mais qu'est-ce que ça fout là, frère? What? Qu'est-ce que ça fout là, frère? Ok, il y a peut-être un petit peu trop d'événements, j'avoue. What? Mais mec, mais tout a changé. Ça n'a rien à voir avec le randomizer qu'on a fait la première fois. Hein. Mon TDAH qui explose avec les events. Ouais, je comprends. Ok, qu'est-ce que ça va être? Ouais, le Polaris! Bon, du coup, faut qu'on fasse un aller-retour, là. Oh! Alors là... Ouah! Non, là, je suis amoureux, là. Ce que ça donne... Oh, les maracas de Noia, il nous les fallait aussi, non? Je crois qu'il nous les fallait. On avait pas le goal, maracas de Noia? Ah non. Ok, bon, my bad. Il y avait quoi comme objectif facile, là, que je regarde vite fait? Compléter les pierres de mémoire. Obtenir épée de légende, non. La musique de fou. Il y a un mold hardcore? What? Genre comme ça, là? Genre sur le plateau, j'ai même pas encore la paravoile. Ok. Oh, le vieux, il s'en va. Le vieux, il s'en va. Frérot! Là, le début du rando, ça va être très très dur parce que je pense qu'il faut d'abord se stuffer pour au moins tanker les événements random, tu vois. Hop là, mon épée Minecraft, tu vas rien faire, donne-moi les griffes. Y'a un mold hardcore là? Ah, mais putain, mes frères, mais c'est pas possible! Mec, mais ils me suivent partout, mais pas que partout, hein. Oh, la pioche! Let's go! Oh, la pioche! Oh, ça rend trop heureux, frère. Et pourquoi on est en lune de sang dans chaque sanctuaire, genre? C'est normal, ça? Va bugger. Oh! Non! Oh, la moto! Ouais. J'ai bien fait de check ce coffre. Je crois qu'il y a un autre coffre là-bas. Et pourquoi j'ai que des dingues, frère? Arrêtez! Là, ils m'ont donné littéralement le meilleur pouvoir, en plus. Ah, enfin! Enfin, frère. Enfin, c'est revenu à son état normal. Voilà, j'aime bien le bleu des sanctuaires, je préfère. On va essayer de prendre les korogu, parce que les korogu, c'est des checks. Heureusement que j'ai run le 100% et que je connais quand même quelques korogu, quoi. Remède max? What? Mec, je vois des potions que je n'ai jamais vues, frère. Et par contre, vous avez vu, les skins, ils sont tellement stylés, genre, avec la petite fleur de la sérénité, c'est très stylé, hein. Bon, elle fait un peu une blackface, mais bon, ça, c'est autre chose. On va faire beaucoup, beaucoup de choses, hein. Oh, la paravoile, elle est pas random, let's go!
Elle est modifiée aussi, what the fuck? Oh là là, c'est trop beau! Il est où le coffre? Where's the chest? Y'a pas un coffre là, frère? Dans le temple. Ah si, c'est là. Mais frère, ça va, notre chance là? Je crois qu'il nous faut 4 tours Sheikah, hein, si je dis pas de bêtises. Il nous en manque plus qu'une quatrième, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, hein, y en a 4 à faire. Hein. Un autre BLSS, alors peut-être? Mais mec, mais en plus, le pire, c'est que à l'époque, on avait fait le rando, ça existait pas cette strat. Comment tu régules les BLSS? Bah après, c'est vraiment pas dur, quoi, mais. Attends, y a pas des trucs à miner là avec notre pioche? Par pitié, mec. Oh non, ils m'ont niqué ma pioche! Je suis dépité, frère. Huh? What? C'est random ça? What? Ah ouais! Ah ouais! Mais c'était pas random ça avant! Ouah, mais attends, mais y'a. Y'a une corne! Ah ouais. Oh la grosse truffe max! La grosse truffe max grillée qui est sortie, frère! Ça m'a mis très très bien. Allez, on tue un Little Rock. Et ça nous fait un check. Enfin, ça nous fait un objectif. Allez, encore! Yes! Nice. Et je vais écrire objectif 4 sur 100. Ça avance, hein? Il est où l'œil déjà? Il est là, non? Il est chiant à viser, lui. Après, bon, je peux tank les dégâts et grimper, quoi. Non, mais frère! Il me téléporte pile quand je fais ça, genre. Mais qu'est-ce que je branle là? Qu'est-ce que je branle là, frérito, genre? Je vais crever, là, en plus. Oh, je vais me laisser mourir. Non, ça a aucun sens, ça a aucun sens. Non, en vrai, j'aurais dû activer le début. Non, je suis trop bête, j'aurais dû activer le début. Ah, ok, c'est bon, je respawn. Il est où le TP? Il est là? Non! Vite, vite, vite. Mais frère, faut que je mange. Ok, bon, vas-y, go faire le donjon, hein. Attendez, y avait pas un objectif de faire ça? Si, c'est un objectif. Ok. Attends, c'est fluide ici, là. C'est grave. Oh, crêpe! Nice! 5 objectifs. Ouais, mais attends, faut pas la cuisiner, faut obtenir posséder crêpe. C'est-à-dire que la crêpe, il faut qu'on l'ait sur nous au moment d'avoir les 100 objectifs. Ok, bon. C'est galère, ça. Parce que posséder, c'est très différent de obtenir. Regardez, je vais vous apprendre un truc. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que vous savez déjà. Et regardez, hop. Hop. Hop là. Ouais. Bouclier de Daruk, très, très stylé. Est-ce qu'on finirait pas le reste de Varudania quand on aura des trucs anti-show là? Parce que là, c'est galère. Hein. Vas-y, du coup, on sort. Mais moi, j'ai tellement hâte. Jusqu'à TOTK, vous allez bouffer du Breath of the Wild. Parce qu'ensuite, il y a le mode multijoueur. Faudra qu'on arrive à organiser une soirée avec les autres, avec la team habituelle. Mais c'est un mode multijoueur fait par les fans, hein, je précise. C'est pas un mode officiel, non. Enfin, c'est fait par des fans. C'est fait par des fans. Il existe vraiment ce sanctuaire? Bah oui, il a pas inventé des sanctuaires. Hein. C'est très très faux. Hein. C'est très 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 faux. Oh! Let's go! L'épée de légende! Attends, est-ce qu'elle est Sharpness 3? Je ne sais pas. Colère de Urbosa, nice! Eh, hey, petit à petit, ça le fait, hein! Par contre, il nous faut les 8 pouvoirs des prodiges, donc il nous faut tous les pouvoirs des prodiges en améliorer. Étoile en nombre. Oh, comment je vais faire le... Oh putain, comment est-ce que je vais faire ce putain de sanctuaire? Oh non, je fais comment? Je me rappelle plus. Comment j'ai fait pour arriver là? Il l'a pas fait exprès! J'allais. Non, vraiment, Christophe, j'allais, hein. Je voulais centrer, j'ai marqué un but. Trop stylé! C'est l'arc de lumière d'un amiibo. Impeccable. Exercice au vol. Bam. C'est tellement bien fait que le jeu, enfin que le mode détecte tout seul qu'est-ce qu'on a fait ou pas en fait comme check. Au moins je peux faire Vamedo. En plus c'est un objectif. Et en plus j'ai de quoi me faire de l'antifroid. Oh, Onilink. Chiche. Vamedo c'est vraiment le donjon le plus rapide à faire. Genre regardez comment ça prend 2 secondes. Genre j'ai même pas besoin d'aller chercher la map déjà pour commencer. Mais pas le moment? Bien sûr que si que c'est le moment, frère. C'est pas toi qui décide. Non, il va me TP là. Ok. Moi, je peux pas, c'est trop bizarre. Il m'a désactivé. Oh là là, on souffle, hein. Ah, c'est bon, les sanctuaires sont accessibles. Bon, bah, on va avoir 10 objectifs là quand on va terminer Vamedo là. En plus, bah, on a deux objectifs sur les créatures divines. On a Varudania et Vamedo. Et là, on a quasiment terminé les deux, en fait. Ah si, il y avait bel et bien un coffre. Ok. Nice. C'est nécessaire pour un objectif, ça. Attends, mais putain, c'est vrai que j'ai l'arc du crépuscule. Attends, mais ça fait quoi comme dégâts, ça? Oh, mais alors là, frère, les dégâts de zinzin. Oh! Wow, la prière de Mifa! Mec, il me les faut tous, de toute façon. Merci, merci. Oh! Oh, putain, mec, dernier coup. Boum! Voilà! Donne-moi le réceptacle. Ok, les réceptacles n'ont pas l'air d'être aléatoires, quand même. Nickel. Objectif 10 sur 100. T'avances. Ah putain, il y a un check, c'est dormir dans un lit, frère. Ça prend 2 secondes à faire, ça. Je peux le faire maintenant, là.
Donc là, on peut dormir dans un lit, I guess. Enfin, j'imagine qu'une auberge, ça compte comme un lit. Ouais, de toute façon, on peut pas dormir dans un lit normal, quoi. Un lit standard. Jusqu'à midi. Et hop là, on est à 13 objectifs. Pas l'objectif de temps. Moins de 24 heures, en vrai. Si je fais en moins d'une journée, je suis content. What? Ok. En fait, même quand je me téléporte, ça m'envoie à un endroit aléatoire, en fait. On devrait, hein. C'est quoi ça? C'est une quête où, en gros, il y a un sanctuaire derrière et tu libères le dragon de glace. C'est un goal? C'est vrai? Ah oui, putain, oui, c'est un goal. Oh, bon, bah vas-y, on fait ça alors. Non, c'est vrai que c'est un goal. Nice. Il peut y avoir des inox partout là. Ok. Après tant mieux, parce que je crois qu'on a un goal avec les inox. Putain, attends, il y en a deux. Attends, c'est des inox bleus ou pas? J'arrive pas à voir. J'ai 8 inox bleus. Ah ouais, bon, faut pas que je le rate quoi. Ah putain, il manquait. Ah mais c'est un noir. C'est pas un bleu. Ah, trop stylé. Trop stylé, on va pouvoir faire Roudania. Il n'est pas les noirs. J'ai pas dit ça, vraiment, j'ai pas dit ça, vous déformez mes propos. Ok, bon, bah objectif 14 sur 100 alors. Ok, et là, il me faut quoi comme écaille? Il me faut une écaille de lui ou rien à voir? J'aurais pas dû faire ça, je crois. Oh non, mais il m'a téléporté. Arrête, je prends, hein, mais... Pourquoi il me téléporte là? Arrête, on l'a réussi à le libérer. Est-ce que c'est Monia Thomas? Ouais, ok, c'est bel et bien Monia Thomas. Alors attention, préparez-vous au skip de fou pour Monia Thomas. Depuis tout ce temps, vous pouviez juste faire ça. Et ça suffit. Ok, 18 objectifs. Pas mal, ça avance bien, là. C'est-à-dire... Nice, très cool. T'as un goal avec les 8 pouvoirs. Ouais, mais on les a pas encore, là. Ah si, putain, on les a tous. Oh, let's go. Oh, trop bien. Putain, j'avais pas remarqué que je les avais tous, du coup. Compléter le mini-jeu partie de golf. Oh, putain, on peut faire le mini-jeu, ouais. Ça vous dit, on fait le mini-jeu? Vas-y, attends, le mini-jeu, je crois qu'il est là, non, en plus. Oh, vas-y, mec, go faire le golf. Goro golf. Ah, c'est le Goro golf, ça s'appelle. Aïe 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 aïe, c'est tellement loose. Mais hé, tu veux pas aller te faire foutre toi en vif? En vrai de vrai. Ok, on la joue un peu safe. Je viens de me rendre compte que j'ai jamais fait ce mini-jeu, c'est vrai? Ouais, let's go! Joli coup. Ok, c'est bon, c'est complété? Je pense, ça suffit. Ok, bon, bah 21 objectifs du coup. Ok, donc là, il y a un Stalus qui vient de se former juste derrière moi. Restez calme, hein, surtout. Ok! Non mais ça va, le Stalus, là? Ça va, là? Je peux sortir du petit marécage dans lequel je suis? Ou... Tranquille, le Litorok, on le dérange pas, hein. Au vrai... Oh, bon bah domaine Zora, nickel. Bon bah ça c'est un objectif, c'est pas ce que je voulais faire, mais pourquoi pas. Je peux commencer la quête aussi, peut-être que ça va me donner un check. Dans tous les cas, faut que j'aille dans Mifa, donc enfin... Enfin, dans Varuta, je veux dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Farmer, je jure que j'ai pas fait exprès. Je jure que j'ai pas fait exprès. En vrai, ouais, je pense on va clear Varuta et ensuite on va cut ici, je pense. Ouais, non mais frérot... Ça va là? What? Je comprends pas ce qui se passe là. C'est dans le mode? Non, je pense que c'est juste bugué, hein. C'est trop bizarre par contre, what the fuck? Oh, je crois que je suis softlock, hein. Déportation impossible? Je fais comment alors? Bah, je crève, je pense. Oh non, mais pourquoi ils m'ont restauré? Je voulais crever! What? Sinon? What? Oh non, mec, il manquait plus que je me téléporte. What? Je suis dans Vanaboris? Ok, c'est pas là où je voulais aller. Mais en plus, Vanaboris, on s'en branle, on n'a pas besoin de terminer. On va faire cette mission, même si elle est un peu chiante. Mec, j'ai trop de plats. J'ai trop de plats. Ah, mais attends, mais il y en a là, des perches, là, non? Oh oui, c'est des perches d'Hyrule. Oh, trop bien. On va pouvoir faire un objectif, alors. On va pouvoir cook le poisson salé, du coup. Perche d'Hyrule, cristal de sel, et ça me fait poisson salé. Et donc ça, c'était un objectif, donc 32. C'est des poissons salés, nickel. Ah, donc lui, il faut que je le garde aussi. Faut surtout pas que je le mange, parce qu'il faut vraiment qu'on le possède. Tu es un sorcier bras zéro, c'est où, ça? Ah putain, attendez, faut que je trouve les seconds quartiers aussi. On va aller au château, et on va faire ça. Un inox bleu, faut que j'en fume 8, donc autant s'y prendre maintenant, je pense. Ok, deuxième inox bleu qu'on défonce, il faut qu'on fume 8 en tout. Où est-ce qu'ils sont, mec, les quartiers? Je sais même plus où ils sont, les tiexons, là. C'est ça, là? Ah, troisième quartier, let's go. Ok, donc du coup, deuxième quartier, ça serait en dessous, vu que là, c'est troisième. Logique. What? Encore un inox bleu? Il est bleu, hein. Mais d'accord, ok. Is blue, dabudi, dabuda. Ok, nice. Bah, nickel. Eh, déjà, trois inox. Je crois que c'est là. Inel blanc? Attends, c'est dans la liste ou pas? Ah ouais, Inel blanc, nickel. Second quartier aussi, du coup. Bam. Et donc, du coup, on est objectif 37. Ok, bon, on a 37 objectifs. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire dans l'immédiat au château. Ah non, je sais où est-ce qu'on va aller. On va faire la divinité Ekin.
Le pont de la divinité Ekin. La fée des chevaux, là. Mec, par contre, c'est une dinguerie comment ça me détend de jouer à ce jeu sans le speedrun. Vraiment, mec, c'est... Là, je vous jure, en fait, le randomizer, là, le fait de faire plein d'objectifs, genre, je sais ce que je dois faire, tu vois. Et c'est pas vraiment une découverte. Mais je sais pas comment dire, genre, je retrouve des vibes de l'époque où... Genre, tu sais, juste, j'explore, je prends mon temps et tout, tu vois ce que je veux dire. Et c'est le pont qu'il faut qu'on aille choper, là, du coup. Ah, la pont de la divinité Ekin. Ok, on a vainqueur. Let's go. Et qui se demande ce qu'on fait, on essaie de... On vise un sanctuaire en particulier. Qui est par là-bas. Bah, c'est le sanctuaire qui a tout là-bas, non? Je crois. Non. Et what am I doing here, man? What the fuck? Faut qu'on termine Varudania, donc go le terminer maintenant, en vrai. Attends, j'ai pas un remède anti-chaud ici? Si! Remède Inifu! Ah! Là, on respire. Bon, normalement, on va le fumer. Content d'avoir le remède Inifu, c'est cool. Oh! Il me donne le plastron en healing, frère. Ok. Ok. Et voilà! Bim, babangs! Let's go! Du coup, 43 objectifs. Mais ça, je trouve ça trop cool, tu vois, que le randomizer, il nous fasse faire ce genre de mini-jeu, parce qu'en fait, même en speedrun 100%, c'est pas quelque chose qui est considéré comme étant dans le 100%, en fait. Donc je trouve ça trop cool. Ah, c'est ici, arrivé! Ah putain, mais est-ce qu'il va dire que je suis gaze? En vrai, là, on a tout fait, même si on a flop. Non, on a réussi, non? T'as battu mon record? Ah, bon, bah voilà. Ok, nickel. Ok, bon, bah 53 objectifs, alors. Ok, donc on va aller faire Varuta. Mais pourquoi il me fait tourner en bourrique comme ça, frère? Je comprends pas, hein. Pourquoi il sert à rien comme ça, sinon, là? Ah oui, vu qu'on a live le combat en plein milieu, ça a full bugué, genre. Non, mais mec, attends, ça veut dire qu'on va même pas pouvoir réussir? Attends. Bah, tu sais quoi, on va y aller comme ça, hein. Oh là là, mais genre les inox, ils savent nager, frère. Oh, vas-y, pousse-moi! Pousse-moi, frère! Vas-y! Ouais! Pousse-moi! Ok. Frère, what? Attends, mais c'est sa floc, là. En fait, je pense qu'il va falloir qu'on attende d'être TP dans Varuta pour pouvoir rentrer, quoi, parce que là... Bon, il y a quoi d'autre qu'on peut faire, du coup, d'intéressant? Compléter son sanctuaire de shit à tanker. Shit à tanker. Ah, oh, mais putain, mais c'est là où on était. Ah oui, non, faut qu'on ait une photo de chaque gardien. Genre, ça c'est un gardien qui suffit, tu penses? Ou il faut vraiment un gardien en mode surpad, genre? Non, ouais, faut un gardien surpad, genre lui, là. Ok, de 1, ensuite... Voilà, donc là, on a les deux gardiens, et là, on a un anneau gardien ici. Si, en tout cas, en rentrant dans ce sanctuaire, on tombe bel et bien dans le sanctuaire, mais... Vous voyez, il y a un anneau gardien ici. Et donc, du coup, un anneau gardien, n'importe quelle taille? On s'en branle, genre? Genre 2.0, c'est fine? Donne-moi ta boule. Gardien volant... Je crois pas, mais il y a un gardien qui vole! Donne-moi ça... Vraiment? Oh, l'arc du crépuscule, la dinguerie! Vas-y, go fumer le linel. Après, je sais pas si j'ai les armes nécessaires. Hein. Ok. Faut qu'on en fume 5 des putains de linel. Donc, faut vraiment que je le fume, là. Hein. Ok. On a plus grand-chose. Ce qui fait que je pense que c'est bien de le terminer avec des flèches. Oh, putain, les souliers d'escalade. Mais arrêtez de me donner de... Oh, putain. Ok. Qu'est-ce que je fais? Yes, ok. Putain, c'est le premier qu'on a fumé, frère. C'était quelque chose, hein. Je vais aller voir le vieux et on va essayer d'aller faire Yunobo parce qu'il y a une quête où il faut qu'on prenne en photo les genres de mini tourelles justement dans la montée pour Yunobo, là. Donc il faut qu'on fasse une partie de la quête, quoi. Mais pas prendre en photo les drones. Bah, c'est justement juste pour ça que je fais le truc, en fait, que je fais la quête. Merde, attends. Il est softlock? On peut pas lui parler? Oh non, putain. Est-ce que... Attendez. Parce que le nom du gold, c'est quoi? C'est photographié. C'est hélice. Hélice, on peut en trouver ailleurs que dans cette quête ou pas? C'est pas juste un drone volant qu'il nous faut, c'est vraiment un hélice, quoi. Montagne de la mort. Non, c'est seulement pendant cette quête, hein. C'est que là, hein. C'est compliqué. Je sais pas trop comment je vais faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? On suspendu de Digdo. En vrai, j'ai envie de faire les locations. Je sais pas pourquoi là, je suis d'humeur location. Digdo et pas dildo. Bien vu. Hop. Pont suspendu de dildo, juste ici, normalement. Voilà. 65. Et là, normalement, on a l'objectif juste derrière. Et c'est juste ici, normalement. Voilà. Let's go. 66. Compléter lune de miel en péril. Ah, putain. Attends. Ah, faut juste un silex. Non, c'est pas l'étang en forme de cœur, c'est chez les piafs. Rien à voir, ça, c'est autre chose. Where is Jogo? Ah, c'est lui. Nickel. Ah bah attends, c'est déjà clear. Attends, mais fallait juste lui donner un silex. Et la facilité, mais mec, mais il en faut peu, hein, pour conquérir le cœur de sa dulcinée, hein. Compléter l'épreuve des rumis, c'est quoi, ça? Ah oui, ok, faut le prendre en... Ah oui, ok, j'ai la ref. Genre là, il y en a un garanti, normalement.
Il est valide ? Il est valide. Il est où le Rumi, là, le mec à qui on doit parler ? C'est lui ? Non. C'est lui ? C'est pas lui. Peut-être lui. Ah, c'est lui ! Ah, mais faut que j'aille prendre l'épée. Attendez, vous pensez on la retire ? Parce que là, j'ai déjà une épée dans mon inventaire. Vous pensez on peut en avoir deux ? Ou... Ok, parce que... What ? What ? L'épée en diams ? What ? Belle épée, hein. Très très belle bite. Ça perd de toute sa crédibilité ! Non, mais du coup... Ah, what ? Capuche de l'avio ? Ok, ça nous a donné autre chose. Ok, c'était un check comme un autre, quoi. Ok. Good. Ah. Ah ouais, ah ouais, lui il est compétent lui. Ok, portée disparue, 72. Ok, vous savez quoi? On se transforme en photographe. Est-ce que vous savez où se trouve le corbeau des montagnes? À part dans les montagnes. Mont Satori, c'est vrai? Ok, bon bah j'y vais alors. Ah mais putain, on a direct le sanctuaire, je savais pas. En espérant qu'il me téléporte bel et bien à l'endroit que je demande et pas ailleurs quoi. Mais c'est bon, c'est relou sinon. Oh, attends, mais il est juste ici là, le corbeau frère. Mais là il va s'en aller par contre. Oh, corbeau les montagnes! Oh là 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 là! Ok, 78. 78, ça me va. Moineau bleu vague. Bateau du prélude, je crois que t'en as. Ouais, il doit y en avoir. Meurs. Ok, il est mort. En vrai, inox bleu. Je pense que. No cap, je pense que inox bleu, on en a tué 8. Deux. Genre, franchement, on en a tué un sacré paquet. Hein. Dac. Redis caca, mais vraiment, moi ça me fait rire. Moi j'en ai 14 et t'es vraiment un gamin pour rigoler pour ça. Ok, vous voulez que je vous parle de ma thèse ou pas? C'est une thèse que j'ai élaborée. Mais faut comprendre un peu les maths pour la connaître. En fait, c'est une courbe qui montre à quel point les mots genre pipi caca te font rire en fonction de ton âge. Là, en gros, là c'est à quel point pipi caca fait rire, ok? On va dire rigolade, ok? Et ça, c'est votre âge. Genre là, on va dire vous avez 70 ans, vous êtes un vieux croulant et là vous avez 0 ans. Au début, t'es con, t'es un bébé, tu comprends que dalle, tu vois. À partir de genre 4-5 ans, ça monte et là, tu vois, c'est le prime de l'humour, ok? Donc genre là, t'es genre à peut-être à 11 ans, ok? Ensuite, tu commences à prendre un petit peu en maturité, tu sais, tu fais ta crise d'ado, t'es en mode ouais, what the fuck, pipi caca, c'est pas drôle et tout, nanana, nanana, ok? Et là, tu rentres genre vers 18 ans, allez, disons 20 ans, et là, c'est exponentiel. Là, c'est exponentiel. Le prime de pipi caca se trouve là. Hein. Oh non! Oh oui! Oh oui, je voulais arriver dans Varuta, c'était un objectif. Vas-y, je suis chaud là. Faut vraiment qu'on arrive à clear le donjon maintenant, mais et pas à un autre moment. Alors attends, il reste quoi comme truc précisément? Ah mais oui, ok, bon, il reste rien spécial. Ok. Merde, attends, les elfos maudits, faut que je le prenne en photo lui. Oh, let's go! 80! Nice! Oh là là, je suis trop le goat. Regardez. Et voilà, on y est. Donc, il m'avait fait le plus galérer à l'époque. Bah, généralement, en fait, c'est le donjon que les gens font en premier. Donc, du coup, vu que c'est le premier que tu fais, généralement, t'es le moins bien stuff, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même plus galéré sur l'ombre de foudre. Hein. L'ombre de foudre, clairement, c'était assez problématique. Hein. J'ai entendu l'ombre de foudre? J'ai vraiment dit l'ombre de foudre. Hein. Ok, je peux activer. Ok, nickel. Let's go. 81. Nice. Bon, ben, en faisant un objectif, on se retrouve à en faire un autre. C'est ça la magie de ce randomizer. C'est que vraiment, il nous téléporte ailleurs. On choisit même pas ce qu'on fait. Acheter les photos, ça pourrait être bon pour les sentinelles de Rudania. Oh, bien vu en vrai. Vas-y, j'en achète genre 20. On va voir ce que ça donne. Putain, moineau ordinaire. Oh putain, mais je suis sûr que c'est le 32. Ça fout le seum. Je suis sûr que c'est le 32. On l'a toujours pas, frère. Putain, j'ai toujours pas le moineau, frère. Moineau fouineur, moineau doré. Mais après, ouais, rigoureusement, il y a écrit photographié, mais peut-être que juste avoir une photo suffit. Ah, c'est ça, moineau bleu vague, ok. Bon, avant de faire une connerie, ça va être un peu long, mais on va vérifier si le goal s'est réellement compté. Ok, sanctuaire d'Awakai. Nanana. 3. N'hésitez pas à compter, les compléter si vous les voyez. Pitié, mec. Priez avec moi, Jules Gambles. Il est random, non? Oh, let's go! Photographier moineau bleu vague! Let's go! Ok! Bon, bah, il suffit juste d'acheter pour l'hélice alors. Tant mieux alors. Bon, tu sais quoi, je vais tout acheter, mec. Rien à foutre. Normalement, on l'a là. Ouais, on l'a en photo! 84! Moi, ce qui me fume, c'est vraiment genre l'arc qu'il a derrière lui, genre. En vrai, RF, là, je tank, non? Attends. J'ai pas des armes de fou en vrai. Hein. C'est ça le problème du randomizer. Hein. Je vais pas désactiver les particules. Bro, soit he was on Minecraft. Ah ouais, tu veux pas désactiver les particules, il a dit.
Ok, c'est bon. Ah, par contre, j'ai plus d'armes. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Tu me donnes ton arc ou... Oh putain! Oh, j'ai le vrai arc! Oh là là, dinguerie! Mec, attends, j'ai le vrai arc Minecraft, je vais pouvoir tirer avec? Je l'ai toujours pas eu depuis le début du jeu. Mais je suis heureux, là, en fait. Oh la dinguerie, putain! Putain, mais mec, il fait un x3. Attends, fais voir. C'est trop bien, mec, je suis tellement heureux. Ok, bon, on est à 2 linelles argentées tuées. Faut que je fasse les pierres de mémoire. Vas-y, on va faire ça maintenant. Les pierres de mémoire, c'est genre l'endroit où il y a tous les trucs avec les... Ouais, voilà, c'est ça. C'est les trucs comme ça, là. Éternel des auras, blablabla, blablabla. Donc là, on en a un. La 9, elle serait par là. Ok, nickel, en effet. Ok, la 9, boum. Ok, ensuite... Ah, mais what, il enchaîne, là? Non mais c'est bon aussi, fuck là. Je peux me lever? Je peux me lever ou pas? Ah ouais, j'ai même plus de bouclier genre. Ok, chapitre 5. Blablabla, blablabla. Très beau windbomb. On arrive pile poil dessus, Théma. Ok, numéro 3. Et ensuite, il manque le 1 et le 2 qui sont à l'autre bout du monde. J'aurais aimé une autre épée. Il me faut le cimetière des 7 joyaux, je sais pas quoi, là. C'est une quête. C'est une quête. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, Sidon? Non mais... Lâche-moi, Sidon. C'est ça le problème. Bon, elle est où, la pierre, ici? Non! Mec, c'était la dernière pierre. Ça se fait pas. Pourquoi le jeu me téléporte, frère? Not cool. Moyen, un petit BLSS. Si, en vrai, ça se tente. Par là-bas. Voilà! C'est où la pierre exactement? Ah oui, c'est là, non? Oui, ça m'a l'air d'être là, ça m'a l'air d'être là. Ok, normalement, on a fait les 10, là. En vrai, ça va. On s'en est sorti plutôt rapidement. Cette quête n'était pas si longue que ça. 90 objectifs sur 100. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tant pis, tempo. On est 33, il m'en faut 55, mec. C'est quand même une sacrée quête, hein. Et je vais grimper. Je peux grimper ou... Je peux pas grimper. Champi tempo, il y en a... Ouh, il y en a 3, là. Ok, on peut se régaler. Ok, 38... 39, ça monte assez vite en vrai les champis tempo. Ok, 46, ça approche, ça approche. On est bientôt à notre objectif. Hein. Oh, cimetière Gerudo. Alors attends, je crois qu'on peut le crafter, non? Attends, on peut crafter avec un diamant et du silex, c'est ça, hein? Il y en a, ils se privent de cette expérience. Ok, on a les 55, on peut se taper là-bas. Il est où le frérot? Tiens, j'ai apporté la marchandise. Je vends des champignons, frère. Il y a un coffre derrière, c'est ça, hein, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ouais, il est là, le coffre. Normalement, il y a un diamant ici. 91. Et je pense même qu'on est à plus que ça. Linelle d'argent, linelle bleue. Jure, ça existe, linelle bleue, genre. Linelle d'argent, linelle blanc. Linelle d'argent, linelle bleue. Ils veulent pas être de la bonne couleur, hein. Linelle d'argent. OMG. C'est le dernier, mais il y a genre 3 linelles au même endroit, quoi. Donc bon, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense pas. Et attends, je crois que je peux fumer le linelle d'argent si je mets juste des flèches archéoniques. Genre là, est-ce qu'il est compté comme étant fumé? On va dire que oui. On va dire que oui. Nice. Je crois que c'est le troisième qu'on tue, un truc du genre. Ok, je l'ai eu. Ok. 94 objectifs, je pense. Faut que je cherche des items de monstres à tout prix. Bon, en fait, faut que je cherche des endroits. Est-ce que vous connaissez des endroits avec des rochers à péter, genre? Peu importe, pas forcément des gros rochers, tu sais, mais... Attends, il y en a là. Ouh. Ouh. Œil de chauve-souris. Ouh. Il nous en faut un dernier. Je vous avais dit que c'était le bon plan de trouver des rochers comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? J'ai l'air d'avoir grand chose, hein. Ah non, si, juste ici. Wow, mais non, mais là, on va se régaler, là. Ok, bon, là, y a rien. Là, œuf grillé, on s'en fout. Là, y a du matos. Œuf grillé. On va se taper chez les gorons, on va essayer de trouver des items. Enfin, on va essayer de trouver des rochers à casser. Ah, ça, pour être malheureux. Oh. Œil de chauve-souris. Wouh. Let's go! 96. Ok, bon, il nous manque quand même des écailles de Nedrak. Faudra qu'on essaye. Mais je sais plus où est-ce qu'il est le spot pour farmer le Nedrak. On peut aller voir le truc de la porte de l'anel. Je crois que c'est vers là. Ouais, c'est ça. Hein. Ok, bon, le Drax est là. Maintenant, est-ce qu'il drop, tu vois? Je pense qu'il drop totalement autre chose. Hein. Je pense pas qu'il va drop une écaille. Hein. Peut-être que si. Ah, j'ai peut-être été malveillant. J'ai tellement été malveillant. Ok, bon, il en manque plus qu'une seule. Ok. Ok, 97. Bon, bah, ouais, c'est compliqué. Le cimetière des 7 joyaux, comment on peut le choper? On peut le crafter? Ah, non.
putain. Vous avez vu tous les items de monstres qu'il faut pour le glaive archéonique, c'est chiant. En fait, je les avais, mais je les ai tous vendus, quoi. Tellement con, genre. Ouais, il manque plus que le glaive pour le jeune enthousiaste. C'est ça qui me rend zinzin, genre. No joke, faut que je fasse des... Ouais, hein. Faut que je fasse des Koroks, hein. Mec, ce Korok, il est censé être grave dur, mais avec le wind bomb, il devient tellement bidon, frère. Parce que Korogu? Alibaba! Arc de l'aigle, wouh! Et tu veux pas me donner l'item turbo, ça? En vrai, de vrai. Oh, y a un gardien littéral... Y a deux gardiens littéralement sur les Korogu. Ok, bonne ambiance. Putain, c'est un casque, mais c'est pas le bon. Dommage. Allez, pitié. Oh, mais putain, à chaque fois, il me donne des costumes, mais c'est pas le bon. Oh, putain, mais mec, la réaction qu'il faut avoir. Ok. Ok. Ah, il était pas simple, ce tir à l'arc, hein. Lanzora, ok. En vrai, je sens qu'il arrive, là, le casque Korogu, là. No joke, je pense qu'il est plus très loin. Et putain, c'est encore un... Mec, on s'en rapproche. Je sens, je le flaire. Oh, mais putain, mais mec, mais je vais devenir fou. Donnez-moi un autre masque que celui-ci. 24 heures, putain, on n'a pas réussi. Et là, vous savez quoi? Pile quand on est à 24 heures, on va... Le prochain check, le prochain Korogu, là, ça va être le masque. Ça va être le masque Korogu, en fait. Parce que le jeu, il est malveillant comme ça, tu vois. Allez... Donnez-moi au moins un glaive, tu sais, genre juste le glaive, ça me rendrait heureux. Putain, mais ils arrêtent pas de me donner les vêtements, mais mec, mais je vais avoir une cinquième page de vêtements, je rigole même pas, genre. Cimetière des 7 joyaux, post-champ. Oh! Ok, ok. Ok, je peux me téléporter là-bas ou... No joke, moi je me verrais bien faire du speedrun de Breath of the Wild dans un an. Hein. Mais je pense que c'est très très sincèrement ce qu'on va faire. Hein. Quand j'aurai plus les cours, j'apprendrai le speedrun 100% de Breath of the Wild. On en fera au moins une fois par semaine. Bon, on continue. Ok. Oh, oh là là. Putain de merde. Ok. Bon, par contre, il nous faut toujours le cimetière des 7 joyaux. Comment on fait pour crafter le cimetière? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait le crafter ou on pouvait le faire... J'ai bien peur que je doive faire le... Vanaboris, là. Bon, parce que le problème, c'est que j'ai même pas fait Koga. Donc, soit je fais Koga, je fais la cutscene, ici, bam, je rentre dans Vanaboris, je fais le donjon, je ressors, et ensuite, je la craft. Ou alors, je continue et je fais des Korogui, et on peut potentiellement la loot assez rapidement, mais... Safeway, vous pensez? En vrai, Safeway, en plus, c'est une bonne manière de finir, je pense. Si on fait le donjon. En vrai de vrai, ou c'est plus stylé. Ok. Imaginez le cimetière, il me le give pendant que... Bah non mais non mais... Non mais... Non mais il me troll. Ils m'ont donné le bouclier mais pas le... D'accord, non mais ok. Pas de soucis. Le bouclier mais pas l'épée. Bah après peut-être le prochain c'est l'épée hein, on sait pas hein. Ok, bon ici un coffre. Ici aussi un coffre. Mec, je rêve d'avoir le cimetière. En vrai il y a pas mal de trucs à check. Genre parce que c'est pas des Korogu. Mais au moins les coffres, bah c'est tout comme quoi en vrai hein. Oui, bon, bah, c'est bon, frère. Je te protégerai. Oui, ça doit être ça, tu me protégerais, ouais. Bon, c'est le combat contre Koga ou contre le Sentaleo, frère? Mon flèche archéonique. Ah oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Bien vu, j'avais oublié ce détail. Belle boule, hein. Franchement, très belle boule. J'attendais à mieux. Le craft, il sera pas random. J'en sais rien. J'en sais rien. Franchement, j'en ai aucune idée. En fait, on doit frapper deux fois les pieds. Sauf que, bah, du coup, vu que c'est deux flèches directement, bah, du coup, on peut directement juste viser comme ça, quoi. Et donc, du coup, ça tue un pied instant, quoi. Voilà. Genre là, ça tue le pied. Ça tue le pied. Ça tue le pied. Et voilà. Ok. Bon, Vanaboris. Ok, c'était difficile. Mais je pense que ces checks-là sont random, du coup. Par contre, le craft, peut-être que si. D'accord, et donc du coup, si on veut craft... Diamant brut 5 silex. Oui, je crois que je peux, attends. Ok, on va faire des Korogu. Qui c'est qui va faire des Korogu? Wouhou!
No cap, j'ai confiance. No cap, je pense que ça va arriver assez rapidement. Une arme, mais pas la bonne. Ok, pourquoi pas. Oh, mais mec, mais je vais jamais la voir, mais... Oh là là. Putain, le cimetière des 7 joyaux, mais mec, mais on va tellement jamais la voir. Je déprime, quoi. Oh là là, je suis le goat de Twitch. Non, vraiment. La précision. Ah. Ouh, cimetière Gerudo. Non, on s'en rapproche. Pourquoi c'est que des coffres? Attends, là il y a un... Ouh, attends, mais il y a deux... What? Attends, il drop des coffres? What? C'est ça l'événement? Oh bah, je suis chaud, mec, hein. Vas-y, donne-moi des checks, hein. C'est un événement aléatoire, je crois, du randomizer. Mec, c'est mon moment, là. Là, si je trouve le cimetière là-dedans... Il est trop stylé, cet événement aléatoire. Je stream, là, hein. Mec, il y a des coffres de partout. Allez, le cimetière, le... mec, mais des emblèmes, j'en ai eu une tête à chier, frère. Deux jours, il est sur le même objectif. Mais oui, mais sortez-moi de là, par pitié, genre. Une arme. Oh, putain, on est heureux, il est beau, mais... Il y en a qui tombent bien, là, par là. C'est une dinguerie, la quantité de... Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, tous les coffres. Non, mais... C'est quoi Steven, frère? Non, mais on dirait presque que c'est un cadeau tombé du ciel, en mode... Tiens, frérot, je vois que t'es en train de galérer, je te donne plein de chèques, genre. Une arme? Post-champ? Oh, putain! Pas l'épée Zora, juste une autre, frérot. Il est pas mal, Steven, mais bon, même malgré Steven, on a rien, quoi. On a rien! Et pourtant, là, vous avez vu le nombre de chèques que ça nous fait enchaîner? T'as interdit le jeu des coffres avec Arai? Bah, non, mais... Ça fait quoi déjà? Je sais même plus ce que c'est. C'est quoi le jeu des coffres? On a des coffres à l'infini? C'est payant. Oh mais ça je m'en branle. Ouais, on peut faire ça, ouais. On peut faire ça, ouais. C'est pas du use bug dans le sens où c'est littéralement un mini-jeu qui se relance avec de l'argent que j'ai gagné. Ouais, let's go les 30 heures. Wouhou! Salut! Where is the mini-jeu? Il est là-bas, non? Mais en vrai, attendez, je peux juste prendre que des coffres à 10 rubis, en fait. En boucle, non? Que des coffres à 10 rubis, vu que c'est full random, non? Ah, bah ça va. Bon bah écoutez, on va faire ça en boucle, c'est POV, hein, POV gacha. Comme ça en plus on peut bet en mode celui de gauche, là, en mode imaginez celui de gauche, il y avait l'item qu'il nous fallait, tu vois. Non, putain, j'ai vu... C'est la deuxième fois qu'on me donne le putain de bouclier d'Urbosa, mais pas son épée. Faut que ça équilibre. Après, ne clipez pas ça, évidemment. Espadon de garde royale. Oh, c'est une épée Minecraft tournée sur hit. Oh la dingue, c'était... Oh, j'avais pas vu. Oh la dingue. Belle épée. Mec, j'ai combien de fées, frère? J'en peux plus. €4 par mois, sur un an, ça fait 1000 balles, quoi. Cimetière Gerudo. C'est toujours pas le bon, mais c'est pas grave. Après, bon, je me dis que ça compense le fait que... C'est la troisième fois que j'ai le bouclier. Un peu d'argent de côté, parce que je me dis que peut-être YouTube, ça durera pas éternellement quand tu vois plein de... OUI! Oh, putain! Oh, putain! OMG! 8 heures de chercher des korogus, des coffres! Ça fait 3 heures! Ça fait quoi? 4 heures en cumulé que j'ouvre ces putains de coffres? Oh, putain de sa mère. Mec, j'ai senti qu'il voulait me faire passer un message. En me donnant le cimetière, mais pas les 7 joyaux et le bouclier, j'ai senti qu'il voulait me faire passer un message. Et là, normalement, si je vérifie les objectifs, on les a tous bons. Priez. 1. 2. 3. Vérification finale. 12. 28. 29. 52. 75. 76. 77. 88. 89. 100. Non, merde, 90. 91, j'arrive plus à compter. 94. 95. 99. Comment ça, non complété? Quoi?
Bah attends, mais ils étaient tous complétés. Il manque quoi? Ah, le dernier? Mais y a rien en fait après le dernier. Y a aucun goal décrit, genre. Mais d'accord, tous les autres ils étaient complétés, hein. J'ai pas déconné. Hein. Ouais, après on peut y aller, voir ce que ça donne, hein. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il faut aller devant Ganon. Ah putain, ok, il refait le listing. Ok, attends. Complété. Ah. Non complété, 2 points, y a rien. C'est un bug. C'est correct, c'est un bug. Je clique sur c'est un bug ou pas? Doit être ça un bug. Non mais on l'a compté ensemble, il y avait les 100, on est d'accord. Ok, c'est un bug. Tu passais les ombres de Ganon? Bah je les ai tout le fumé. T'imagines? Mais en fait on aurait pu terminer le rando beaucoup plus rapidement. Ok. Oui. Urbosa, j'ai besoin de ta force là. Là Urbosa, j'ai besoin de toi. Là ça fait 8 heures que j'attendais d'avoir ton épée. Alors c'est un shiny ton épée? Ou tu vois genre... Sans objectif sur 100. Ouais, j'écris sur les murs à l'encre de mes rêves. Ouais. Je me bats avec l'épée Minecraft. L'épée Minecraft. Attendez, je me mets en full le machin spectral pour mettre des dégâts. Ou alors je mets Zelda malveillante. Zelda malveillante, c'est ça. Ouais, Zelda malveillante. Je mets pas beaucoup de dégâts, mais c'est pas grave. Il m'a bien eu. Ok. Ok. Oh là là, je suis le goat du pari. Non mais mec, avec l'épée en netherite. Ah putain, c'est vrai. Non, je le ferai après pour le stunlock, je pense. Vas-y, on fait un stunlock avec l'épée en netherite. Vas-y. Non, moi je suis chaud. J'aime bien en vrai Zelda en mode malveillance max, hein. Pari. Oh là là. Non mais mec. Ok, vous êtes prêts? Oh mais je suis con, j'ai Urbosa. J'ai flop. Vas-y, avec l'épée en netherite. Vas-y, boum. Voilà. T'es grand maintenant. Putain, il était temps que je finisse ce challenge au bout de 32 heures, quand même, un minimum. Be careful. He wants me to... fais attention, il veut que je... Tais-toi. Non. Ne m'oblige pas à le faire. Fais-le maintenant. Obéis-moi, tu es ma création. What? Mais... Les boss aussi? Bien sûr! What? Je n'ai pas le choix, s'il te plaît, pardonne-moi. OMG, OMG, les linelles. Ok, OMG, la musique, OMG, OMG, les gardiens, ok! Pas mal le final, beau final. Des petits gardiens, des petits linelles, des petits talus. Non, laisse-moi tranquille, pitié. Faut que je mange. Je peux plus manger? Bah oui, ça doit être ça. Ils ont tué mon cheval! Elle se parle à elle-même, non, vraiment. Ok, heureusement que j'ai des flèches archéoniques quand même. Il va me fumer là. Ok, d'accord, donc il y a un mold hardcore, super. Je drop une bombe au cas où pour être safe. Ok, en dessous. Ok, bien joué. Ok, l'arc de lumière. Regarde sur sa tête. Mais oui, mais faut que je sois dans les airs, vous êtes marrants vous. Attendez. Je vais viser avec des flèches de feu par terre comme ça, je vais pouvoir aller dans les airs. Ok, je peux manger. Vite, ok. Je peux sortir la paravoile, ok. Si 32h, 39 minutes et 23 putain de secondes. Merci d'avoir joué au randomizer de Breath of the Wild jusqu'à la fin. Randomizer développé par Wekou Teru, blablabla. Oh là là, c'était quelque chose. Ok, putain. J'ai trop kiffé. Donc le lien du mod, etc. dans la description. J'espère que... vous aurez kiffé ça sur Twitch et que vous aurez kiffé ça YouTube aussi. On cook ça en attendant l'arrivée de Tears of the Kingdom. Nous on attend que ça. Tears of the Kingdom sort dans 15 jours, 10 jours, dans ces eaux-là. Vous allez voir beaucoup de vidéos de ce jeu. On va d'abord faire une ou deux vidéos sur la découverte du jeu. Et ensuite, il y aura plein de défis, de speedrun comme on a l'habitude d'en faire, évidemment, sur la chaîne. Voilà, évidemment, comme tout le monde dit ici, coucou YouTube. Bon, c'est la relation la plus unilatérale que j'ai jamais vue de ma vie. Tout le monde dit coucou YouTube. Personne ne dit coucou Twitch. Venez sur Twitch, évidemment. Si vous voulez découvrir le jeu, Tears of the Kingdom, quand il sortira avec nous, on y jouera day one. Puis voilà quoi, Zelda par la Zelda. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner, on rush les 400 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que vous attendez? Enfin, je vous le demande.